j'ai vu il y a pas longtemps, t'avais sorti un freestyle qui a tué tout le monde là sur la face B de Drake. Ouais, le 0 à 100. Ouais. 0 to 100. Black Kent, I am Maghreb, ça j'aime, pas de thème, v'là le thème, clash Kent, pas de blême, pas de flemme, grave zen, j'agresse à l'aide, à check et à sec, v'là mon verre, il bat. Il y en aura d'autres, parce que nous on en veut d'autres. Ouais, il y en aura d'autres. Moi je suis un amoureux de la culture, je suis un amoureux du hip hop et la face B. Ouais. Pour le coup, elle était facile. Ben c'est mon truc, c'est par ça que les premières personnes qui me suivent aujourd'hui ont commencé à me connaître. Donc ouais, il y en aura d'autres. Ta musique, on sent un peu l'influence Drake. Exactement, Drake aujourd'hui, je pense que c'est un mec qui a changé un petit peu le son des couleurs des musiques hip-hop aujourd'hui, qu'elles soient dans le R&B ou dans le hip-hop clair et net. Donc ouais, bien sûr, c'est une influence. Ça, je m'en cache pas. Ton prochain album va sortir donc début juillet sur le label East47, un label de Polydor. C'est aussi un label connu pour être le label de Camaro. Est-ce que Camaro a été ton directeur artistique sur cet album ? Non, l'avantage que j'ai quand même avec Camaro, avec Cyril, c'est que il me fait vraiment confiance artistiquement. Il me laisse travailler, il a du boulot lui aussi de son côté, il me laisse travailler, il me donne le temps, il me fait confiance à ce niveau-là. Et donc là, c'est un pur produit Kent, bien évidemment, qu'on échange une fois que les sons sont terminés et que je lui rends l'album. Mais non, c'est Kent qui crée, Kent et son vécu, et Kent et son entourage très très proche, on va dire. Il n'y aura pas de Femme Like You 2. Non, pas de Femme Like You 2. Elle est bonne celle-là, on ne l'avait jamais faite encore. Et pourtant, la perche avait été tendue depuis quelques années maintenant, mais non, il n'y aura pas de... Non. Il y aura du Black Kent, vendeur de rêve, plus 3.0. 4, 5, 6, 7, 8. Donc ceux qui ont connu Black Kent avant, ceux qui ont connu Black Kent avec Vendeur de Rêves, ceux qui ont connu Black Kent un petit peu après, ils seront servis. Et je pense que voilà, y aura aussi beaucoup de personnes qui vont me redécouvrir, qui vont en apprendre pas mal sur moi. Et d'ailleurs, je vais vous donner le titre de l'album. Ah oui, parce que j'allais dire, moi je ne connais pas. Je vais vous donner le titre de l'album là en exclu pour Face B. L'album va s'appeler Morceau d'un homme. Ok. Morceau avec un X. Bon, c'est exclu. Donc voilà, c'est l'exclu ici que je donne. L'album va s'appeler Morceau d'un homme et il sortira le 3 juillet.